Mesdames et messieurs, bienvenue à une nouvelle émission de Grand Égypte. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir une femme égyptienne fascinante, Dr Hanan Munib. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue à notre programme. Merci beaucoup. Tout d'abord, on veut parler du passé, de votre enfance, de votre éducation, de la famille, du parfum du passé. Je commence par l'enfance, si vous voulez. J'ai fréquenté des écoles francophones. J'étais chez les religieuses de Notre-Dame de la Délivrante. Je leur dois vraiment beaucoup dans mon éducation. C'est là où j'ai appris à apprécier l'autre, qui est différent. Une sœur religieuse, une étudiante, un élève, si vous voulez, musulman, oriental, typiquement égyptien. J'ai fréquenté ces religieuses, j'étais impressionnée par leur façon de traiter les élèves à l'école. Je leur dois beaucoup parce que j'ai appris là-bas la discipline, l'organisation de mon emploi de temps. Les mathématiques, la biologie, même la langue arabe, c'était enseigné par ces religieuses. Alors, quand je dis l'autre, avec A majuscule, c'est vraiment l'autre, c'est-à-dire la personne différente, des entités différentes. Et c'est pour cela que je dis, pourquoi aujourd'hui on n'ouvre pas les fenêtres pour recevoir l'autre, l'accueillir sur notre sol égyptien. J'ai poursuivi mes études à l'université de Ain Shams, département de français, et de plus en plus, je voulais dire que j'étais vraiment impressionnée et je voulais continuer à découvrir la France. Après une dizaine d'années d'études francophones, j'ai dit que ce n'est pas suffisant. Alors c'était le magistère, c'était la thèse de doctorat à préparer à Paris et c'était la vie en rose à cette époque-là. J'ai continué, après je suis sortie comme tous les diplômés pour chercher le travail et voir qu'est-ce que je peux faire avec ma francophonie. Et c'est là où je commençais à travailler en tant que répétiteur, ensuite maître de conférence, ensuite mais ainsi de suite, jusqu'à arriver au professeur. J'ai enseigné à la Sorbonne et j'ai enseigné à Ain Shams. J'ai travaillé à Paris, j'ai travaillé au Caire. J'ai travaillé normalement, je continue à travailler sur les deux. Je suis toujours à cheval, c'est ça ce que je dis. Je suis entre deux cultures. Je suis entre la francophonie et l'arabophonie. Et je prends tout ce qui est positif des deux cultures pour garder ma identité nationale, culturelle, arabe, orientale, mais mélangée avec tout ce qui est différent pour avoir de l'expérience. Oui, comment vous faites ce mélange? Vous êtes bien enraciné dans la culture orientale, mais en même temps, vous êtes à l'aise en ce qui concerne la culture occidentale. Comment vous faites cet amalgame? J'arrive pas à sentir la différence. Si on parle maintenant, on parle en français, ensuite on va continuer en arabe, moi je me sens à 100% égyptienne et à 100% française. Je ne comprends pas comment, mais je veux dire que quand on est fidèle à une culture, fidèle à soi-même, je pense qu'on est là pour travailler pour l'intérêt du pays. Je pense que c'est vraiment ce que j'aimerais bien faire, c'est pour l'Égypte et en même temps pour... si j'ose dire, ma deuxième patrie, la France, parce que je suis vraiment francophone. Quand j'ai organisé plein de conférences au Salon international du livre du Caire. Et j'ai fait de l'autre côté au Salon international du livre à Paris. Des deux côtés, je voulais un grand succès. Et Dieu merci, c'était un grand succès des deux côtés. Le côté français, c'était les intellectuels égyptiens qui sont partis pour des conférences, pour des colloques, pour présenter des dédicaces de livres, ainsi de suite, au Salon du Livre de Paris. Et quand j'ai fait le contraire, c'était vraiment un grand succès aussi. Les intellectuels de Paris qui sont venus, même les gens qui ont obtenu le prix Nobel, tout le monde était là depuis le Gabon, c'était 160 personnes invitées par l'Égypte. Sans payer de l'argent du ministère de la culture, ils sont venus pour ce qu'on appelait le volet international culturel au Salon du Livre du Caire.
il y avait ces gens-là, et j'ai présenté la francophonie en plein essor au Salon du Livre du Caire. C'est pour cela que je n'arrive pas à dire qu'il y a des frontières. Je n'ai pas de frontières entre les deux cultures. Je ne vois pas les frontières. Quand on parle de la francophonie, de l'anglophonie, quand on parle de l'arabophonie, quand on parle des gens intellectuels, on parle de l'être humain. Puisqu'on parle de la francophonie et de votre amour envers la langue française, aujourd'hui on a toujours l'impression que tous les élèves qui sont dans des établissements francophones, je ne veux pas dire qu'ils détestent la langue française, mais ils préfèrent parler en anglais, même entre les élèves pendant la cour. Ils préfèrent utiliser l'anglais, ils le trouvent beaucoup plus facile à utiliser. Pourquoi ? Est-ce que c'est la façon d'enseigner le français qui a changé ? Ou bien c'est l'esprit des jeunes qui a changé ? Non, ce n'est pas l'esprit des jeunes. Je ne pense pas du tout. Parce que quand j'étais attachée culturelle à l'ambassade d'Égypte à Paris, on a organisé un programme pour les professeurs et les maîtres et les instituteurs à l'école, dans les écoles gouvernementales expérimentales. Ils enseignaient les mathématiques, les matières scientifiques et la langue française sans parler le français. Je n'ai jamais compris comment ils font. Je les ai reçus à Paris et j'ai dit, comment vous faites pour enseigner une langue que vous connaissez à peine, que vous prononcez à peine? Ils ont dit, c'est question de travail parce qu'on est des maîtres dans des écoles, il n'y a pas des gens francophones, ni des Français de souche bien sûr, qui vont accepter de travailler avec des salaires très maigres. C'était ça le premier problème. Le deuxième problème, ils n'ont jamais fréquenté des établissements français. Troisième problème, ils n'ont jamais voyagé. Alors, moi je vois que c'était un grand travail d'organisation et d'amélioration de programmes dans les écoles gouvernementales. Ça a été arrêté à l'époque de... professeur Ahmed Zeki Badr, il a dit, bon, on ne va plus travailler sur ces bourses, et il a arrêté les voyages des maîtres de langue française dans les écoles privées quand il était ministre de l'éducation, nationale. Alors, moi je vois que fréquenter l'Occident, fréquenter les établissements, savoir et voir et vivre l'expérience d'un maître à l'école, dans une école française. Il retourne après un mois. C'était payé aussi par le ministère des Affaires étrangères à l'époque. Et retourner en Égypte pour travailler sur soi-même et travailler avec les élèves de tout ce qu'il a appris en un mois, il change complètement. Il parle bien français, il fréquente des francophones, il fréquente les établissements scolaires à la française, et il retourne tout à fait différent. Moi, je préfère toujours avoir des allers-retours entre les établissements, les universités, les échanges culturels, académiques, scolaires, tout ça, ça enrichit la personnalité du professeur, du maître, d'instituteur. Et là, on peut dire que la francophonie va gagner du terrain. Maintenant, la francophonie recule. Elle perd, vraiment, elle perd du terrain. Est-ce que c'est à cause de la globalisation qui a mis la langue anglaise au premier rang? Parce que la francophonie ne fait pas l'effort, le grand effort pour vraiment rédiger en langue française, avoir des prix de littérature en langue française. Ça existe, mais comme les traducteurs, les prix de Ibn Khaldoun, personne ne connaît, il s'agit de quoi? Uniquement quelques parties de l'OIF, voilà, et les intellectuels. Moi, ils ont besoin d'un grand effort pour répandre leur langue, pour répandre la langue française, et en même temps pour travailler là-dessus. Le minimum des gens qui parlent français sont en France. Les francophones, c'est une minorité en France. Mais si on va au Québec, si on va dans les pays francophones, surtout de l'Afrique, le Sénégal, ainsi de suite, on va tomber sur un grand nombre qui parlent le français. Ils sont où? Ils sont où ces gens-là? Ils sont entre eux. Et quand on travaille dans un cercle vicieux, on ne peut pas répandre nos principes. Moi, je parle de la francophonie en tant que culture et non pas en tant que langue uniquement. Les ambassadeurs francophones qui sont sur place maintenant en Égypte, les consuls
qui traverse les pays du Golfe maintenant en travaillant. Mm-hmm. Maintenant, il y a une condition. Il faut que l'ambassadeur soit arabisant. Mm-hmm. Il faut qu'il parle l'arabe. C'est pas question de langue pour parler avec les gens. Tous les gens en Égypte, presque tout le monde parle ou bien anglais ou bien français, mm-hmm. et surtout bien sûr l'arabe. Mais ils sont là pour comprendre la mentalité. Ils sont des arabisants qui ont compris c'est quoi la mentalité arabe. Mm-hmm. Et c'est comme ça qu'ils peuvent faire un bon travail. Les étudiants et les élèves qui refusent parler entre eux, même dans la cour, moi je me souviens peut-être, Yara, vous aussi, quand vous étiez étudiante et élève à l'école, on n'avait même pas le droit de parler en arabe, notre langue maternelle, pendant la récréation. On était obligé de mettre ou bien... on est puni ou bien on met une piastre dans la boîte des pauvres parce qu'on a osé parler en arabe. C'est comme ça qu'on a bien appris. Les étudiants à l'université, parfois quand je lui dis, excusez-moi, vous prononcez mal, il ne faut pas dire la francophonie, c'est de la francophonie. Mm-hmm. Je dis, madame, je ne peux pas, j'ose pas en tant que garçon dire de cette manière-ci, R, ça n'existe pas. Je dis, mais si ça existe, vous n'êtes pas l'italien. Mm-hmm. Ça existe. Mm-hmm. C'est pour cela, c'est dans l'esprit des jeunes et surtout c'est de notre problème mais parce que le prof laisse. Le professeur aujourd'hui, il prononce de cette façon le R et le problème cosmique de P et B. Ah, ben oui. Mais parce que moi, je ne peux pas donner si je n'ai pas reçu. Lui, il n'a pas reçu la bonne éducation ni la bonne prononciation. Il n'arrive pas, le pauvre, à donner ça en tant que bonne éducation à son élève. Il n'a pas reçu, lui non plus. Très importante dans votre parcours. Parlez-nous de cette place. La traduction, c'est mon grand amour, après mon mari. Et mes enfants, je parle d'une passion. J'ai traduit plusieurs livres. À chaque fois, je parle de la traduction. Du français vers l'arabe. Non, c'est le contraire. De l'arabe. Moi, j'ai choisi la voie labile, traduire de l'arabe vers le français. Parce que quand on reçoit une éducation, c'est une arme tranchante, à double lame. Au lieu de faire parvenir, parce que tout le monde choisit cette façon-là, la plus facile, traduire un livre qui parle de n'importe quel roman, de n'importe quelle idée philosophique, et le mettre dans notre langue maternelle, l'arabe. Je respecte tout le monde, je respecte les deux voies, bien sûr. Mais je veux dire, qu'est-ce que l'Occident connaît sur nous? Pourquoi dire en arabe, non, on n'est pas d'accord. C'est pas comme ça la religion musulmane. C'est pas comme ça les femmes égyptiennes. C'est pas comme ça les habitudes et les coutumes et les traditions en Égypte. Mais on parle en arabe. Comment leur passer, leur transmettre à l'autre rive de la Méditerranée notre message dans leur langue maternelle? Alors, j'ai choisi des livres. À chaque fois, je choisis un livre. Pour moi, c'est un message à l'Occident. Quand il y a eu, par exemple, des problèmes concernant la réputation, moi, je suis une féministe cœur et âme. Quand il y a eu des problèmes
parlant et concernant la femme égyptienne en disant elle comprend pas, elle miche pas quoi, elle fait quoi, elle est soumise, elle accepte la violence, c'est pas dans elle le cadre de et tout ça. Elle n'est pas cultivée du tout. Et ils ont mis ça dans le cadre de l'Union méditerranéenne, la grande fédération des femmes pour la Méditerranée. Il existait 43, il existe toujours 43 États riverains et non riverains. Et quand ils ont parlé de la femme, ils parlaient de la femme marocaine, ils parlaient de la liberté et de la femme tunisienne intellectuelle. Et vraiment, j'étais tellement jalouse que j'ai dit, vous allez voir c'est quoi la femme égyptienne. On a fait plein de conférences, j'ai donné plein de conférences et moi je sais que le public était étonné. Ils ne savaient pas tout ça. Alors j'ai décidé de traduire des livres en langue française pour que tous les pays francophones connaissent c'est quoi l'Égypte, c'est quoi la femme, c'est quoi l'homme. L'homme n'est pas, l'homme égyptien n'est pas un homme macho. La plupart ne sont pas comme ça. Il y a des exceptions comme partout. Et la femme battue n'est pas battue à cause de la violence des maris au foyer. Pas du tout. Au contraire, quand on compare les statistiques, on voit que au sein des foyers français, les femmes françaises sont battues beaucoup plus parce qu'ils ont le droit de boire là-bas, ils rentrent un peu sous et c'est là où on commence les problèmes. Ici, je ne parle pas de religion maintenant, je parle d'être humain, un être humain. Alors, quand on colle des étiquettes à la culture orientale, on laisse tomber la culture musulmane ou chrétienne, ou non, je parle de la culture orientale, on colle des étiquettes, c'est la violence, c'est le mari macho, c'est la femme soumise, sont les enfants perdus entre toutes les cultures et les civilisations. J'ai défendu notre cause en écrivant des livres, des ouvrages et en traduisant d'autres ouvrages en langue française. Et quel est l'ouvrage que vous avez traduit et qui vous a beaucoup impressionné? Celui de Mustapha Alfi, docteur Mustapha Alfi, c'était le rôle des Coptes dans la politique égyptienne. Moi, je suis musulmane et pour moi, j'ai plein d'amis, de collègues, de travail, de voisines et de connaissances chrétiennes. Et moi, je les vois comme j'entends dans la rue, on parle d'eux d'une manière ou d'une autre. Mais quand j'ai lu ce livre, j'ai dit, mais on était aussi tolérants que ça à l'époque de Makram Abid, mais c'est fou. Et il était vraiment un homme patriotique, il a bien travaillé. Et tout le ministère était en harmonie. On ne parle pas de religion, on ne parle pas de secte, on ne parle pas même si on... C'était pas à la mode. Non, c'était pas à la mode. C'était pas... je sais pas si c'est la mode ou c'est fait exprès pour nous diviser. Oui, c'est fait exprès. Oui. Alors ça, c'est un des ouvrages. Il y avait aussi d'autres ouvrages comme celui de Mohamed Negui, que son âme repose en paix. Il y avait la mélodie du matin, il y avait un ouvrage du poète Mohamed Ibrahim Abou Sena. Il est très connu à l'étranger. Moi, je dis, on est vraiment ingrat envers ces symboles culturels et très cultivés. Auteur de 13 ouvrages et le 14e va paraître ce mois-ci, janvier 2016. Parlez-nous de vos ouvrages. Bon, je commence par ce qui vient de sortir. Ça a apparu en Égypte cette année-ci, à Paris cette année-ci. C'était au mois de fin juillet, début septembre, chez la maison d'édition Alpha Bar. C'était sur Jules Roy. Et c'était sur... ça s'appelle Les Chevaux du Soleil. Je parlais dans cet ouvrage de la colonisation française pour l'Algérie. Ça m'a beaucoup touchée. Moi, j'écris quand j'ai envie de dire quelque chose, quand je sens quelque chose ou quelqu'un. Alors, pour une Jourloi, j'ai croisé par pur hasard sa femme, son épouse à Vézelay. Et j'ai vu son demeure qui donnait sur la Sainte
Madeleine, est grande église, et lui, il adorait ça. J'ai visité sa maison, qui est classée sous patrimoine culturel français actuellement, et qui a été fréquentée par plusieurs présidents, parce qu'il était apprécié avant sa mort. Et j'ai vu son bureau avec son stylo, le livre. Et j'invite l'Égypte à faire pareillement. Là, si on laisse, ça ne traîne pas. Mais c'est le parfum du passé que vous dites maintenant. C'est le parfum. Il était là à rédiger ses ouvrages. Il regardait la Sainte Madeleine, qu'il appelait mon amour, devant lui, la même fenêtre, le même jardin. On ne touche à rien. On dirait qu'il est avec nous dans sa maison. Grande maison, très belle. Et quand j'entends parler de lui, je lis sur lui, et j'entends ce qu'elle raconte, elle, sur lui, c'est tout à fait différent. La personne change. Il était Pilate, il a refusé d'obéir aux ordres de ses capitaines, et il n'a pas voulu bombarder l'Algérie. Et il a dit, je laisse ma carrière de pilote de chasse, je ne peux pas bombarder ma mère. Sa patrie était l'Algérie, parce qu'il était né là-bas. Il a refusé, il a changé complètement de carrière, il est devenu le plus grand écrivain célèbre et connu et fréquenté par plusieurs présidents à l'époque. Ça m'a beaucoup plu. Et alors, j'ai commencé à rédiger sur cette période de colonisation française injuste pour l'Algérie. Et il y aura un livre qui va sortir au mois de janvier, ce mois-ci, en 2016, sur Albert Kosri. Ça, c'est tout à fait le contraire. Comme je vous ai dit, il n'y a pas un fil tranchant entre ma culture francophone et arabophone. Je parle dans ce livre sur Albert Kosri, qui a quitté l'Égypte avec Hénin, avec André Chédid. Ils sont partis parce qu'ils voulaient vivre en France. Et moi, je l'ai fréquenté, je l'ai visité dans sa toute petite chambre à l'hôtel La Louisiane au boulevard Saint-Germain. Et je lui ai dit, est-ce que vous regrettez un de ces jours, vous allez regretter peut-être avoir refusé la nationalité, la naturalisation française proposée par Chirac. Il m'a dit non. Moi, je veux vivre en tant qu'Égyptien et mourir en tant qu'Égyptien. Ça me bloque un petit peu pour les visas quand je voyage à l'étranger, mais je n'ai jamais quitté mon âme et mon cœur égyptien. Et je l'ai interviewé, on est devenus amis, malheureusement pas pour longtemps, mais j'ai rédigé un livre sur lui qui s'appelle Albert Kosri entre mille scènes. Il est à l'hôtel à Paris, mais quand il ouvre la fenêtre de sa très modeste chambre à l'hôtel, il a vécu toujours dans cette chambre, il voit l'Égypte, il voit le café fiché, une équipe marfouse. Il écrit en langue arabe, et en langue française, mais avec des expressions vraiment arabes que le francophone de souche n'arrive pas à comprendre. Quand il dit par exemple, au jour sombre, le miel noir, quel jour. Il ne met même pas une explication en tant que note en bas de la page. Alors pour moi, il la laisse comme ça. Comme ça, c'est au lecteur francophone de chercher qu'est-ce qu'il voulait dire par ça. Quand je traduis, je dis, mais comment je vais traduire ça, mon Dieu? Alors lui, toujours, il a dit, le fils a, aux yeux de sa mère, a la grâce d'une gazelle. Il met ça en français. Il saute au français de poser la question, qu'est-ce qu'il veut dire par ça? Et c'est comme ça, il a fait pénétrer dans le vocabulaire français des expressions purement égyptiennes et surtout pas très intellectuelles, c'est vraiment de l'argot si vous voulez. Il a fait pénétrer ça et jusqu'à sa mort, il continue à écrire. Il n'a pas écrit beaucoup de livres et j'ai tout mis sur son parcours parce que lui, il a dit « qu'est-ce qu'on écrit sur moi? Pourquoi il dit ça? C'est pas ça ce que je voulais dire ». Je me dis, moi, qu'est-ce que vous voulez dire par tel ou tel ouvrage, telle ou telle idée? Il y a un ouvrage dont j'ai beaucoup aimé le titre.
qui s'appelle Le soufi dans l'ivresse de la terminologie. Oui. Parle-moi oui. de cet ouvrage. De quoi oui. ça va? Parce qu'à chaque fois, je fréquentais des Français à Paris quand j'étais attachée culturelle. Ils pensaient que les soirées soufis qu'on faisait au mois du Ramadan, au centre culturel égyptien à Paris, c'était ça le soufisme, les derviches tourneurs. Alors moi je dis c'est pas ça, c'est folklorique, c'est artistique, c'est folklorique, c'est-à-dire les derviches tourneurs avec de la musique. C'est une sorte d'imitation, de c'est comme le mysticisme chrétien, il y a le soufisme musulman. Mais ça n'a rien à voir, les derviches tourneurs ce sont toujours folklorique, c'est pour s'amuser. Un symbole, c'est tout. Un symbole pour dire que l'être humain tourne autour d'un symbole. Le symbole, on arrive, comme il a dit le Halek dans ses ouvrages, on arrive avec la dernière grâce de Dieu à arriver au premier degré en disant je me suis uni avec le bon Dieu. Uni, je ne veux plus rien. C'est du mysticisme, c'est purement ça. Alors, il s'est dit, non, je vais vous expliquer c'est quoi le soufisme. Et j'ai commencé par les coins de l'islam, jusqu'à arriver au mysticisme et au soufisme. Et j'ai expliqué comment on n'arrive pas à comprendre c'est quoi al-dhikr soufi. Al-dhikr soufi, ce ne sont pas les derviches tourneurs. Même si avec la langue, avec le cœur, j'ai tout expliqué dans ce livre. Et moi, je me souviens bien quand j'étais à Paris et je fais le dédicace de mon livre, ils ont posé plein de questions. Les Français, les chrétiens, les gens qui sont pas du même, de l'autre rive, si vous voulez, de la Méditerranée, qui sont pas musulmans surtout. Et ils ont apprécié, j'ai reçu deux lettres en disant, maintenant on comprend c'est quoi l'islam. Moi je ne suis pas là pour prêcher, je ne suis pas là pour dire aux gens il faut que vous soyez des musulmans. Non, je voulais juste expliquer quelque chose qui est plus ou moins attaqué, plus ou moins mal comprise.